Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Vie de l'UEP. Dans ce numéro, toute l'équipe de SPL TV a suivi le Way des premières années, week-end qui marque leur passage de petite moule à vrai palier. Nous vous souhaitons un bon visionnage pour suivre ce week-end plein de folie, de danse, de jeux et bien sûr de 8-6. Voilà, on est avec 5 petits 1A, l'amphi Way qui vient de se terminer. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez déjà hâte? Le Way approche à grands pas. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus? Moi, je pense que ça va être une grosse folie. Surtout avec les thèmes du Way, je pense que ça va être quelque chose des déguisements déjà à 6h du matin. Ça va être sympa, je pense. Alors, on est très excités là, on se retient plus. D'ailleurs, on a un exposé à faire, impossible de se concentrer. Est-ce que vous êtes plutôt Team PLS? On te voit venir, toi. Plutôt Team PLS, Team Boule de la Nuit. Ok, cool. Je te crois pas du tout. Ok, ça va être cool. Non, on est tous Team Nuit Blanche, je pense. Team PLS, on l'attend pas. Et donc la soirée va être bouillante. Est-ce qu'il y a un son qui vous ambiance? Quand vous l'entendrez, vous serez on fire ou pas? Bon, un petit NASA, ça ambiance toujours. Okay. Ça, c'est faible. Claude François, ça, c'est ce qui plaît aux gens beaucoup plus. La boulette. Diams. Pour moi, ce sera Femme Like You. Hein. Pas un petit Aya Nakamura ou Section Basso? Plutôt Aya Nakamura. Mais ça, toujours, ça, c'est une permanente. Ouais. Constante des musiques. C'est une base, genre. Putain, il y a du beau. Ça s'annonce très très beau. Comment actuellement tout de suite là? On va le changer la caméra. Franchement, je t'avoue, je suis très content de l'endroit où on est arrivé. Là, c'est pas... on a des très belles maisons pour nous. Oh, j'ai une bête qui vient. T'as été élu Mister PLS à l'unanimité. C'est exact, Mister PLS. Comment tu vas déjà ce matin? Écoute, je vais parfaitement bien parce que ma PLS était très courte. Et je suis resté pendant une heure dans ma chambre à vomir. Et ce vomi, tu t'en souviens un peu? La consistance, la couleur, t'as deux, trois infos à donner? On était sur un vomi assez liquide, étant donné que j'avais rien fait. Ouais. Mais après, voilà, je suis très honoré de ce prix. On est avec Clémence, dimanche matin de Way, un Way qui vient de se terminer, tu as été sacré Miss Way, quel est ton ressenti? C'était vraiment un sacré Way. Il y a eu plein de rebondissements et je me suis vraiment beaucoup bourré la gueule. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la voix? C'est pour ça que j'étais Miss Way. C'est pour l'ambiance. Ouais! Donc on est avec le Paul Way, on est avec Juliette, Emma, Louise et Julie. Donc le Way, ça y est, c'est fini, c'était ce week-end. Comment vous en ressentez? Vous êtes soulagé, fatigué? Fatigué, mais
ça faisait tellement de bien, vraiment, de voir le sourire de tout le monde. Et même, on se dit, pourquoi il n'y en a pas un deuxième qui arrive, quoi, vraiment. Non, en vrai, c'était super d'avoir l'événement concret de ce qu'on a préparé depuis plusieurs semaines. Donc, ça faisait vraiment plaisir. Et du coup, un événement comme ça, c'est beaucoup de préparation. Comment vous avez senti la cohésion et au sein de l'équipe, comment c'était? C'est vrai que pendant tout Way, on a toutes couru un peu partout, mais ça s'est bien réparti. Et ce qui était fort, c'est qu'au-delà de notre équipe, nous quatre, tous les bureaux se sont vraiment mobilisés. Et on a pu compter sur tout le monde. Et non, vraiment, c'était cool, tout s'est bien réparti. Et je pense que tout le monde a quand même pu profiter de son week-end et a donné de sa personne. Et oui, le Way, c'est déjà fini. Entre Shop, PLS et Ventriglisse, toute notre équipe a adoré vous suivre durant ce week-end. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. D'ailleurs, une vidéo sur le pôle solide du BDE arrive très très prochainement. Gros bisous mes petites moules.